Le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue, quand se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet, qui voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, et puis nacelle, et puis ballot, enfin bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde, à qui ceci conviendrait bien. De loin c'est quelque chose, et de près ce n'est rien. La Fontaine.